Hey, salut les rumeurs! Alors aujourd'hui, c'est cocktail. Et un cocktail très classique, puisqu'on va faire le mojito. Alors, comme il est classique, eh ben, j'ai décidé de vous faire trois variantes du mojito. La classique, plus deux petites recettes que j'aime beaucoup. Alors, pour dire la vérité, je ne fais jamais la version classique du mojito, c'est-à-dire avec du Havana Club, par exemple, parce que je trouve qu'un mojito avec ce genre de rhum, c'est pas extraordinaire, tout simplement. Moi, j'adore faire mes mojitos avec des rhums comme celui-là, par exemple. Ça, j'adore ça. Et puis, je vais vous faire une autre recette avec pour base le rhum HSE millésime 2016 et avec une petite particularité bien sympa. Alors, on commence par le classique, tout simplement pour vous faire la recette et on va faire les autres et une dégustation comparée. Alors, le mojito, on prend son verre, on va mettre quelques quartiers de citron, on va mettre du sucre de canne. Voilà. Et on va piler tout ça. Ça va permettre au sucre de se dissoudre dans le jus de citron. Voilà. On va rajouter quelques feuilles de menthe. Voilà, et on va mettre une dose de rhum. Et voilà, on touille un peu. On rajoute de la glace pilée. Et on complète ça avec de l'eau gazeuse. Alors moi, je tourne à la ceinture. Hop, deux petites pailles. Et voilà. Ça, c'est le mojito classique. Vraiment le classique de chez classique que l'on retrouve presque partout dans les bars. Ma recette à moi, elle va différer uniquement avec le rhum. Donc c'est classique, c'est les mêmes ingrédients à part le rhum. Et donc je vais rajouter du lompon. Bon, il reste pas grand chose, allez. Elle est mourue. On complète avec de l'eau gazeuse. Deux petites tailles. Et voilà ma version à moi du mojito que je préfère indéfiniment plus que la classique. Et pour finir, je vais faire une petite préparation avec un verre un peu plus solide parce que je vais faire dans ce verre là qui est un peu fragile. Donc avec le pilon, c'est pas génial. Je mets trois petits quartiers de citron, de la framboise. Hop, un peu de sucre. Celui-là, c'est pour ma chérie, donc je vais pas mettre trop de rhum non plus. On pile bien. Voilà. Allez, on met tout ça là-dedans.
Voilà. On rajoute la menthe, bien entendu. Alors, moi, bien sûr, je ne vais mettre que 2 centilitres de rhum de ce petit HSE 2016, mais pour vous, pour vos petites recettes, vous mettez 5 centilitres. Et voilà. Et on complète toujours avec de l'eau gazeuse. Regardez-moi comme cette couleur est géniale. C'est un super cocktail, bien rafraîchissant. Ma chérie, elle adore ça. Voilà les 3 cocktails. 3 variantes du cocktail Mojito. Donc le classique, ma version à moi que je préfère et celle que je fais pour ma copine. Fais le test. Alors, le classique. Bien le sucre, la menthe est bien présente, le citron aussi, c'est très rafraîchissant, mais franchement c'est pas ouf. Si je fais la comparaison directe avec mon petit lompon, je sais que va y avoir une différence directe. Aïe aïe aïe, mais c'est même pas comparable, c'est tellement bon, puissant. On sent qu'il y a du rhum là-dedans, alors que dans celui-là, c'est à peine si on le sent en fait. C'est super bon, moi je dis, c'est toujours un rhum de mélasse hein, celui-là. Hein. Franchement, c'est super bon, ça va vraiment bien avec, c'est un cocktail qui a du caractère. Je préfère largement faire avec ça. Et ensuite, la version à la framboise. C'est délicat. Alors effectivement celui-là j'ai mis beaucoup moins de rhum donc on le sent pas tant que ça. Même s'il est plutôt sympa, la framboise est superbement bonne avec une légère pointe au niveau du citron et de la menthe. C'est un cocktail qui est vraiment rafraîchissant et doux, vraiment doux et c'est ça qui plaît à ma compagne. Voilà pour les 3 petites recettes du Mojito, de la classique au plus exceptionnel que je préfère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les rhumeurs, en attendant la prochaine, santé !